Et salut à tous, c'est Kozak, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur mon PC. Donc le nouveau tuto c'est comment paramétrer, mettre vos vidéos en, mettons vous êtes à 1444, je crois c'est P, jusqu'à 1080p. Donc c'est facile, c'est sûr, vous pouvez le faire sur toutes les vidéos. Donc là on est sur une vidéo à moi, donc vous voyez que voilà, je vais baisser le son. Ça vous entendez bien. Donc vous voyez que là vous allez dans les paramètres ici. Je vais faire également sur téléphone, comme ça vous avez les deux versions PC et téléphone. Donc vous voyez là c'est ici, c'est dans les paramètres et qualité. Et vous voyez que bon, bien sûr ça charge, c'est logique. Vous voyez que là la texture est dégueulasse. Plus en fait, plus vous augmentez, plus la qualité va être bien. Vous voyez, voilà, vous voyez, on va dire à 360p ça commence à aller bien. Ceux bien sûr qui n'ont pas la fibre, ceux qui ont la fibre peuvent aller jusqu'à 720p, 480p, à 1080p, donc voilà. 480p, ça, on va dire, ça commence à aller mieux. Vous voyez, hop, 720p, on va dire, c'est un peu plus net, tout ce qui est. Et bien sûr, en mode 1080p HD, bah, là vous voyez que vraiment la texture est géniale. Donc voilà. Donc on se retrouvera sur le téléphone tout à l'heure, c'était Kozak. À tout à l'heure. Hein. Et yo tout le monde, c'est Kozak. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto sur, cette fois-ci sur le téléphone. Donc en cas où vous enclenchez votre vidéo pour faire les paramètres pour la qualité, donc vous appuyez en haut, tout en haut à droite sur la petite roulette. Donc, vous voyez que vous avez un peu de tout. Mais là ce qui nous intéresse c'est la qualité, donc tout simplement, donc vous voyez, vous faites ici, ou même où j'appuie, donc vous voyez 1444, 240, 360, 480, 720p et 1080p. Donc par contre faites attention parce que de temps en temps il y a des vidéos qui sont uniquement à 720p uniquement, et le 1080p ils l'ont pas mis, en fait c'est le youtubeur en question qui le met en fait, donc voilà. Mais logiquement c'est plus en 1080p, donc voilà. Donc je vous dis, il faut aller dans les paramètres en haut, donc vous voyez dans les paramètres en haut ici, et vous allez dans qualité, hop, vous voyez, et après vous allez dans avancer, voilà. Donc vous voyez, vous avez les paramètres ici, voilà, et 1080p direct. Parce que si vous après vous mettez en mettant en 720p, enfin 1044p, vous allez voir que ça va un peu gafouiller, vous voyez. Donc voilà, donc là ça charge bien évidemment, à chaque fois que vous augmentez votre qualité ça va charger. Donc vous voyez que là la qualité est un peu médiocre, on va dire. Donc c'est facile, hop, vous allez dans qualité, hop, avancer. Vous pouvez aller à 480p pour ceux qui n'ont pas la fibre. Donc voilà, après ça marche aussi avec la 4G, donc voilà, sur téléphone vous voyez que 480p on va dire c'est un peu mieux. Mais après si vous pouvez vraiment monter plus, n'hésitez pas à aller à 720p voire 1080p. Donc voilà, donc c'était Kozak, ce petit tuto sur PC et téléphone est terminé. Merci d'avoir regardé et bye tout le monde.